Le Paris FC et Lorient ont fait match nul ce lundi en clôture de la 32e journée de Ligue 2, 2-2. Les deux équipes se retrouvent désormais à 8 points de Brest, le deuxième. Mais se reste leader. Les 3 points auraient propulsé l'équipe victorieuse sur le podium, mais le Paris FC et Lorient n'ont pas réussi à se départager, 2-2, lundi, en clôture de la 32e journée de Ligue 2. Avec 54 points chacune, les deux formations se retrouvent désormais à 8 longueurs de Brest, qui occupe derrière le leader Metz la deuxième place, dernier rang qui offre une promotion directe pour la Ligue 1. Le PFC, 4e à la différence de but, et Lorient, 5e, sont les principaux déçus du week-end, car ils ont été dépassés par une fringante équipe de 3, 55 points, qui compte 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Point positif, Lens, 6e, compte 3 points de retard sur la 5e place, après son match nul contre Valenciennes vendredi, 0-0. Des allures de barrage. Ce PFC Lorient a donc pris des allures de pré-barrage, car si le classement reste figé à l'issue des 6 dernières journées, les Merlus iraient défier les Parisiens à Charletti lors d'un premier match de barrage, dont le vainqueur affrontera le 3e de L2 dans un deuxième temps, avant une possible double opposition contre le 18e de Ligue 1. Les Bretons seront les plus frustrés, ils ont mené 2 fois au score, grâce à Alexis Claude Maurice, 33e, son 4e but en 4 matchs, et Pierre-Yves Hamel sur pénalty, 75e. Mais si la Swamanguituka, 46e, et surtout Samuel Yohou en fin de rencontre, 84e, ont permis au PFC d'accrocher un précieux point.